ici Jess Archambault. Le Dahut est un nouveau bolide tout-terrain pour les gens à mobilité réduite qui aimeraient explorer les sentiers en forêt. Et la ville de Bromont a été une des villes pionnières à donner accès à ces sentiers. Un Dahut, en fait, c'est un fauteuil spécifiquement conçu pour permettre aux personnes à mobilité réduite d'aller dans les sentiers en montagne, dans les sentiers qui sont un peu plus accidentés, avec des roches, des racines et tout ça. Un fauteuil dit standard ne permet pas à ces gens-là d'emprunter les sentiers. On voulait justement que ça soit rassembleur, qu'on soit capable de prendre des gens sans handicap avec des gens à mobilité réduite puis de faire ensemble l'activité. C'est Yves Charbonneau, directeur général de la Fondation des sports adaptés, co-concepteur et initiateur du projet Dahut. Oh, la belle odeur, la belle fraîche qu'on est bien. Oh, regarde les arbres, c'est beau. Moi, je m'appelle Marie Pagé. Je voulais vraiment faire une autre expérience de Dahut. Puis c'est recommandable pour tout le monde de tout âge, à mobilité, des gens à mobilité réduite. On est tellement bien de sentir cette brise-là. Oui, là. Oui. Ouais. Oh. Et puis respirer. Oui, la vraie nature, c'est de l'air pur. Tellement reposant. Oui. Physiquement, c'est quand même, ça demande une bonne dépense énergétique. Il y a une personne qui pousse, une personne qui tire. Donc, dépendamment de l'inclinaison, du dénivelé, c'est sûr que l'effort va être plus grand si c'est en montagne. Nous, on voulait vraiment un modèle hybride, un modèle qui soit capable de transporter les personnes handicapées en montagne, mais aussi dans les sentiers ou dans les pistes cyclables ou sur route. Donc, c'est un modèle hybride, très confortable avec une suspension et ajustable pour à peu près tout genre d'handicap ou surtout pour maximiser le confort de chacun assis dans le fauteuil. C'est vraiment, vraiment facile d'utilisation. L'énergie que je viens d'aller chercher encore, là, je suis bonne pour 5 ans. Nous, c'est très inclusif. On leur permet de vivre cette expérience-là et de vivre l'expérience entourée de gens sans limitation fonctionnelle puis de dire, ben moi, je fais partie de la gang. Fait que le Dahut permet de faire ça. Pour plus d'informations sur les Dahuts et comment faire une réservation, visitez le site web de la Fondation des sports adaptés, sportadaptés au pluriel.ca.